Bonjour à tous, bienvenue à l'intérieur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque ça va pas être un open box, ça va pas être une présentation de règles ni un rapport de bataille, ça va être la présentation d'un livre, en plus un livre de Tolkien, hein, c'est pour ça que c'est un peu de rapport avec la chaîne, c'est pas en lien avec les wargames, quoique un peu, puisqu'en fait le livre s'intitule Les batailles de Tolkien, il a été rédigé par David Day, qui est un spécialiste en fait de l'univers de Tolkien, donc c'est traduit de l'anglais, et c'est aux éditions Hachette Heroes. Et l'idée en fait de ce livre, c'est bien de faire le panel de l'ensemble des batailles que l'on va retrouver dans l'univers de Tolkien. Voilà. Surtout, c'est un très joli livre. Voilà. Il est autour de 19 € chez vos petits libraires ou les plus grands. Et donc, ça va un peu parler de l'ensemble des batailles du Seigneur des Anneaux. Alors évidemment, celles que l'on connaît à travers les adaptations de Peter Jackson, ou même des romans, c'est-à-dire bien le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, mais aussi de celles qu'il y a eu avant, ou celles qui sont juste évoquées, celles aussi du Silmarillion, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble des batailles que l'on va pouvoir retrouver. Et évidemment, bataille, hein, c'est le thème de la chaîne, bataille, etc., univers du Seigneur des Anneaux. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Voilà. Alors, avant d'aller découvrir plus en détail le livre et qu'est-ce qu'il contient, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre en commentaire un peu ce que vous avez pensé. Parce qu'il y a de ce livre, si jamais vous voulez être procuré aussi. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti en janvier. Il y a trois exemplaires. Il y a les batailles de Tolkien, il y a le bestiaire, les héros de Tolkien et il y a le dictionnaire de Tolkien, qui aussi a du même auteur, donc David Day. C'est une adaptation, hein, je crois que ça a été fait en, je ne sais pas quelle année, 2016. Hein, donc voilà, ça a été édité en français. Donc on va découvrir maintenant le contenu de ce livre. Voilà, donc je vous ai mis le livre à côté de deux formats assez classiques, c'est-à-dire un format BD et un format poche. Donc on voit qu'on est un peu dans un gros format poche. Hein, et c'est quand même bien plus petit qu'une BD. Alors, je vais vous enlever ça ici. Et ce que j'aime beaucoup, alors vous pouvez le voir, c'est que sur la couverture qui fait un peu comme si c'était du cuir, enfin, il me semble que c'est du plastique, hein, eh bien, il y a ici, vous le voyez, un côté comme si c'était gravé. Et donc, au toucher, c'est hyper agréable et ça fait hyper stylé. Alors, vous voyez le prix, hein, là. Et je trouve que ça fait vraiment un plus, hein, pour le livre. Et ça fait un peu livre magique. Voilà. Alors, j'ai pas vous faire l'ensemble du contenu, hein. Donc là vous avez le sommaire, donc comme vous voyez il y a partie 1, les batailles de l'ère des Valar, partie 2, les batailles du premier âge, et ensuite ça va évidemment être celle du deuxième âge, la guerre des elfes et des Numenoréens, partie 4, le troisième âge, guerre des Dunedain, guerre des nains, partie 6, guerre de l'anneau, et ensuite vous avez d'autres. Alors, le contenu du livre, en fait, c'est surtout que l'auteur va faire, eh bien, parfois des parallèles avec les inspirations, avec le côté historique et quelles ont été les inspirations, en fait, des batailles de Tolkien. Il y a certes un descriptif de la bataille en soi, mais c'est aussi un peu, à chaque fois, essayer de replacer dans le contexte général de l'œuvre de Tolkien, qu'est-ce que veut faire comprendre par ses oppositions Tolkien et quelle source d'inspiration il est allé chercher. L'autre attrait du livre, c'est surtout son côté des illustrations que je le trouve tout simplement magnifique. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un livre avec des illustrations à la fois très belles, aussi très différentes dans leur style à chaque fois. Et c'est vraiment des interprétations, ils le disent bien, c'est des interprétations qu'ils ont fait eux-mêmes des batailles du Seigneur des Anneaux, mais ça rend un superbe effet. Vous voyez, quand vous avez là cette double page. Donc c'est un très très joli livre de contes. Alors c'est un peu entre le livre de contes pour, je n'allais pas dire enfant, mais un peu, et le côté érudit. Donc vous voyez, on a quand même ici, par exemple, la guerre, les guerres du Beleriand. Et moi, honnêtement, il y avait des guerres que je ne connaissais pas, parce que je ne connais pas tout l'univers du Seigneur des Anneaux. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, vous voyez. Donc je vais un peu vous le feuilleter. Il y a des cartes ici. Alors des cartes qui sont un peu
Un peu comme si c'était des cartes. Oui, ce sont des cartes un peu stylisées. C'est pas de la stratégie militaire. Il y a une question d'échelle qui n'est pas respectée, etc. Mais c'est vraiment. Ça fait un côté un peu carnet magique, quoi. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Donc, voilà, bon, après, on a vraiment. Et vous voyez ici, vous avez vraiment des illustrations très différentes. Hein. La guerre des numéros 1, là, c'est Numéror qui est représenté. Et là, il y a une très très belle image. Vous voyez sur la disparition du Numéror. Qui est vraiment très très belle. C'est celle qu'on retrouve après, en fait, après la page de couverture. Et donc voilà, c'est vraiment. Alors, on va peut-être aller sur des périodes qui ne sont plus connues. Donc là, c'est toute la période sur le Hobbit. Là, vous avez Bernard dans le Change-Peau, les tactiques de combat. La bataille des cinq armées, là l'intervention des aigles, quand même. Vraiment, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi, comme je vous le disais auparavant, sur l'aspect historique. Et donc parfois, on va avoir, eh bien, pour Tolkien, eh bien, le Minas Tirith et le Gondor, c'est plutôt l'époque de Charlemagne, la volonté de recréer l'Empire romain disparu. Voilà comment il s'est inspiré des contes anglais, anglo-saxons, nordique, mais aussi latin, c'est vraiment très très intéressant. Là, vous voyez, Charlemagne et Aragorn ont beaucoup de points communs au niveau de leurs ennemis, les alliés, etc. Donc, ils ont fait une géographie en fonction. C'est vraiment super bien, vraiment très 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 bien fait. Et c'est donc c'est focus sur les batailles. Alors, évidemment, moi, je suis direct allé me le procurer. Voilà ma petite review de ce bataille de Tolkien. Honnêtement, pour le prix, je trouve que c'est un très très bel investissement, surtout tous les gens qui sont fans de cet univers, qui souhaiteraient se replonger dans les batailles, dans l'histoire de la Terre du Milieu, de ses origines, hein, puisqu'il y a la création du monde en fait, hein, ça part de la création du monde jusqu'aux dernières guerres. Il y a un index après, évidemment. Hein. Voilà, je pense que c'est vraiment un beau livre pour tous les fans du Seigneur des Anneaux. Donc il y a trois autres tomes qui ont été publiés par Hachette Heroes. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour aussi sur eh bien, ce livre-là, si jamais vous l'avez vous aussi acquis, ou si vous avez acheté les autres, hein, que ce soit celui sur le dictionnaire, les héros ou quoi. Si vous avez bien aimé ce genre de contenu un peu à côté, n'hésitez pas à me le dire. Si on voulait d'autres, j'essaierai parfois, en fonction de mes achats, de vous proposer des lectures comme ça, d'ouvrages qui sont en lien avec la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve très vite dans la taverne. Allez, ciao!